Je crois que c'est une jument qui est rapide, mais qui a aussi besoin de ce rythme-là pour sauter des obstacles d'1m60. C'est vrai que ça donne aussi un avantage de passer en dernier, comme ça on voit un peu le scénario de cette deuxième manche où tout le monde repart à zéro, enfin il n'y a que des zéros, donc tout le monde est sans faute à égalité de points. On sait qu'il y a pas mal de concurrents qui sont rapides, ça permet de mesurer vraiment le risque que l'on va prendre sur les virages. Moi c'est sur les virages que je peux prendre avec ma jument, parce que dans les lignes droites elle a une petite action, elle a moins d'amplitude que les autres, donc c'est vrai que ça permet d'analyser un peu ce qui se passe. Eh ben, écoutez, je vous laisse aller détendre, merci Kevin. Alors, c'est...